Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux malades imaginaires de Molière. Cette comédie-ballet de Molière date de 1673. Elle s'inscrit dans la politique de mise en scène du pouvoir de Louis XIV, comme nous l'avons vu dans la vidéo consacrée au spectacle et à la comédie chez Molière. Les ballets composés par Beauchamp pour le malade imaginaire, l'inspiration antique, l'éloge de l'honnêteté, la cohérence et l'unité de l'œuvre font de cette comédie une pièce classique. Cependant, le malade imaginaire se caractérise aussi par la diversité des tons, un jeu sur les contrastes, les principes d'instabilité, de mouvement et de mise en abîme, autant de caractéristiques qui relèvent du baroque. Par conséquent, il apparaît légitime de se demander si le malade imaginaire est une œuvre classique ou baroque. Pour répondre à cette question, il apparaît nécessaire de rappeler ce qu'est le baroque. On appelle baroque toute œuvre qui se caractérise par un jeu sur les contrastes, une dimension spectaculaire axée sur le mouvement, l'instabilité, et la mise en abîme. Le baroque est un courant artistique qui se développe à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Il est soutenu par l'Église catholique qui souhaite contrer la propagation du protestantisme en Europe. Il s'agit de développer un art qui frappe les esprits, qui subjugue, qui fascine, qui impressionne et qui émerveille. C'est pourquoi l'art baroque adore jouer sur les contrastes. Dans la peinture, le baroque met en scène le contraste entre l'ombre et la lumière. La technique du clair-obscur est souvent utilisée. Dans la littérature, pour souligner le contraste entre les ténèbres et la lumière, les écrivains ont recours à l'antithèse. Dans le monde vu par les artistes baroques, les ténèbres peuvent devenir lumière et inversement. Le deuxième principe mis en place dans les œuvres baroques est l'ostentatoire. Il s'agit de créer des œuvres spectaculaires pour bouleverser le public. Cette dimension spectaculaire met en valeur les idées d'inconstance et de déséquilibre. Le monde baroque est un monde instable. Pour les artistes baroques, le monde est soumis au devenir perpétuel. Tout ce qui naît est destiné à se transformer et à mourir. Les artistes baroques ont une conscience aiguë du temps qui passe. Ils sont obsédés par l'idée de la mort. C'est pourquoi les artistes baroques mettent en scène des métamorphoses. Le monde baroque est en mutation permanente. La mort est une obsession. Les œuvres d'art sont là pour rappeler que chaque être humain est condamné à mourir. L'œuvre d'art baroque est là pour délivrer un enseignement moral et philosophique qui a valeur d'avertissement. Memento mori, n'oublie pas que tu vas mourir. Et parce que tout est condamné à disparaître, parce que le monde est en perpétuelle mutation, l'artiste baroque enseigne que la vie sur Terre n'est qu'un théâtre d'illusions. D'où l'utilisation d'un troisième principe, la mise en abîme. Dans un monde qui change en permanence, les individus sont amenés à s'interroger sur leur identité personnelle. Qui suis-je? Suis-je le fruit de mon imagination? Pour l'artiste baroque, la vie n'est qu'un songe. Si le monde n'est qu'un réservoir d'illusions
Et si la vie est un songe, alors le monde n'est qu'un théâtre. Et si le monde est un théâtre, alors la place que chacun occupe dans ce monde n'est qu'un rôle. Et l'homme se réduit à son déguisement. Enfin, pour l'artiste baroque, si le monde est un théâtre, alors il faut bien qu'il y ait un metteur en scène suprême. Ce metteur en scène ultime, c'est Dieu. La vie est un théâtre où chacun joue un rôle mis en scène par Dieu. La mise en abîme est le principe par excellence du courant baroque. Nous venons de rappeler les trois principes de l'esthétique baroque. Le jeu sur les contrastes, le goût de l'ostentation et la mise en abîme. Voyons maintenant si ces trois principes baroques peuvent s'appliquer au malade imaginaire de Molière. Ce que l'on peut observer tout d'abord, c'est que Molière adore jouer sur les contrastes. Contraste entre les scènes et les tons, contraste entre les types d'écriture, contraste entre les personnages. Nous avons en effet des contrastes entre les scènes et les tons. Par exemple, le prologue situe la scène dans un lieu ouvert, doux, champêtre, paradisiaque, où domine la tonalité lyrique. Or, tout de suite après ce prologue, nous basculons sans transition dans un lieu clos, fermé, étouffant, dominé par un fou avec une tonalité burlesque. Ce premier contraste entre le prologue et la scène d'exposition est saisissant et provoque le rire chez le spectateur. On observe d'ailleurs le même contraste entre le deuxième acte et le deuxième intermède musical. Molière crée également des contrastes en variant les types d'écriture. En effet, le prologue et les intermèdes sont écrits en vers, alors que les scènes de théâtre sont écrites en prose. Enfin, Molière joue sur les contrastes en créant des personnages opposés. Ainsi, les deux frères, Argan et Bérald, sont l'exact opposé l'un de l'autre. Bérald est l'antithèse absolue d'Argan. Bérald est l'incarnation de l'honnête homme, juste, mesuré, sincère, équilibré. Alors qu'Argan est un fou, hypochondriaque, fanatique de la médecine, injuste avec sa fille, dupe et déséquilibré. L'un, Bérald, est raisonnable et rationnel, tandis que l'autre, Argan, est fou et irrationnel. On retrouve un autre couple antithétique avec le couple du maître et de la servante. Alors que le maître, Argan, est dupe et enfermé dans sa folie, Toinette, la servante, est ingénieuse et fait preuve de courage et de lucidité. D'autre part, comme dans les œuvres baroques, Molière accorde une grande place à l'instabilité et au mouvement. En effet, il crée des personnages instables. Argan a un comportement démesuré, déréglé. De plus, les courses-poursuites, les bastonnades, les danses et la musique contribuent à créer des scènes dominées par le mouvement. Tout est en mouvement dans le malade imaginaire, à l'image du monde baroque. Enfin, on retrouve le goût baroque pour l'ostentatoire dans le troisième intermède, qui est à la fois une scène de farce, un chant et une chorégraphie. Obsédé par l'idée de la mort, Argan met en scène sa folie de manière ostentatoire. Il est au centre de la comédie
Il est un spectacle à lui tout seul, comme le prouve la scène d'exposition, mais également toutes les scènes où il se retrouve en conflit avec les autres, ne cessant jamais de jouer la comédie du malade imaginaire. Par ailleurs, Molière multiplie les scènes en mouvement. Dans l'acte 1, scène 5, Argan menace et poursuit Toinette, et dans l'acte 3, scène 5, c'est Argan qui est menacé par Monsieur Purgon. Dans le prologue et les trois intermèdes musicaux, les personnages sur scène chantent, dansent et sont en mouvement. Le dernier intermède est l'acmé de la comédie. Bérald, porte-parole de Molière dans la pièce, met en scène une cérémonie burlesque pour faire croire à Argan qu'il va devenir médecin. Il s'agit d'une scène carnavalesque où tout est permis et où la folie devient la norme. 46 artistes sont doublement déguisés autour d'Argan. L'illusion théâtrale est redoublée. On voit donc que le jeu sur les contrastes et la multiplication des scènes en mouvement sont les éléments déclencheurs de la mise en abîme. Plus exactement, les contrastes jouent sur les mouvements et les mouvements favorisent la mise en abîme. Toutes les scènes en mouvement reposent sur le principe dynamique du théâtre dans le théâtre et de la comédie dans la comédie. La mise en abîme est le principe par excellence de l'esthétique baroque. Or, cette mise en abîme est partout dans le malade imaginaire, puisqu'il s'agit d'une comédie-ballet, autrement dit d'une comédie qui joue sur le spectacle à plusieurs niveaux. Œuvre d'art totale, puisqu'elle combine le théâtre, le chant, la musique et la danse, la comédie-ballet est par définition une pièce spectaculaire. Mais le spectacle n'est pas qu'un moyen dans le malade imaginaire. Le spectacle est aussi le sujet principal de la comédie. Ainsi, dans la scène d'exposition, Argan joue la comédie en imaginant un dialogue avec son pharmacien Fleurant. Dans l'acte 1, scène 6, Béline joue la comédie en se faisant passer pour une épouse fidèle et sincère. Dans l'acte 2, scène 5, Cléante et Angélique jouent la comédie pour avouer leurs sentiments. Dans l'acte 2, scène 8, Louison et Argan jouent la comédie en parodiant une scène de tragédie. Dans l'acte 3, scène 3, Argan s'imaginant médecin, procureur, juge et bourreau de Molière, son propre créateur. Dans l'acte 3, scène 10, Toinette se fait passer pour un médecin auprès d'Argan. Et dans l'acte 3, scène 11 et 12, Argan se fait passer pour mort afin de tester la loyauté et la sincérité d'Angélique et de Béline. Enfin, dans le dernier intermède, tous les personnages jouent la comédie pour faire croire à Argan qu'il va devenir médecin. Si Molière a autant recours au principe baroque de la mise en abîme, c'est parce que la comédie est le meilleur moyen de déjouer la comédie des hypocrites. Il faut revêtir un masque pour faire tomber les masques des imposteurs que sont les médecins et les hypocrites. Le théâtre pour Molière est un art de l'illusion qui fait éclater la vérité sur scène grâce au théâtre dans le théâtre. La comédie dans la comédie déclenche le rire et ouvre les yeux des spectateurs qui découvrent les vices des hommes. Apparemment, Molière a utilisé les principes de l'art baroque pour créer son malade imaginaire. Jeu sur les contrastes, goût de l'ostentatoire, du mouvement et du déséquilibre, et recours à la mise en abîme, puisque le monde baroque est un théâtre. Cependant, comme nous allons le voir, la comédie-ballet du malade imaginaire possède aussi des caractéristiques propres à l'art classique. Tout d'abord, rappelons les principes du classicisme. Une œuvre est dite classique quand elle puise son inspiration dans l'Antiquité.
Elle valorise la rationalité en prenant l'équilibre, la juste mesure, l'honnêteté, la lucidité. Elle repose troisièmement sur l'harmonie en cherchant l'équilibre entre les tons et les formes. Elle repose aussi sur le règne des trois unités, c'est-à-dire que l'intrigue d'un spectacle doit se jouer en un même lieu et en une journée. Enfin, elle délivre une morale philosophique qui dévoile les vices des hommes. Voyons à présent si le malade imaginaire correspond à ces critères. Tout d'abord, les principes d'équilibre et d'harmonie sont au cœur du malade imaginaire. Comme toute œuvre classique, le malade imaginaire puise ses modèles dans l'Antiquité. Nous avons vu dans une précédente vidéo que Molière puisait son inspiration dans les comédies antiques. Or, le personnage du médecin apparaît pour la première fois dans une comédie de Ménandre intitulée « Le bouclier ». Dans cette pièce, toute la force comique repose sur le personnage du faux médecin. Molière reprend donc la critique de la médecine telle qu'elle est mise en scène par Ménandre. Par ailleurs, les ballets chorégraphiés par Pierre Beauchamp apportent équilibre, légèreté, douceur et harmonie à la comédie. Comme nous l'avions vu dans la vidéo consacrée à la musique dans Le malade imaginaire de Molière, les ballets de Pierre Beauchamp se caractérisent par leur symétrie et leur harmonie grâce à la synchronisation des pas de danse. Dans Le malade imaginaire, Pierre Beauchamp invente les principes fondateurs de la danse classique. De plus, le malade imaginaire se caractérise aussi par l'unité de ton, si importante dans l'art classique. L'amour classique de la raison apparaît à travers le personnage de Bérald, qui incarne le goût pour l'équilibre, l'honnêteté, la douceur, la juste mesure et la lucidité. À travers Bérald, Molière fait l'éloge de l'honnête homme, qui est le modèle de la raison et du goût classique. Par-delà sa diversité de tons et d'écriture, l'œuvre de Molière se caractérise par son unité et sa cohérence, qui sont des principes chers à l'esthétique classique. On a une cohérence harmonieuse entre la farce, la musique et la danse dans le dernier intermède. De même, on a une cohérence dramatique entre les intermèdes et le reste de la comédie. En effet, les intermèdes ne sont pas des histoires déconnectées du reste de la pièce. Les intermèdes ne sont pas gratuits, superficiels ou hors sujet. Ils s'insèrent parfaitement dans l'intrigue. Dans le premier intermède, Polichinelle, l'amant de Toinette, est chargé d'avertir Cléante des plans d'Argan pour Angélique, d'où l'apparition de Cléante dans le deuxième acte. Le deuxième intermède est pensé par Bérald pour essayer de calmer la fureur d'Argan. Et le troisième intermède est imaginé par Bérald pour faire croire à Argan qu'il va devenir médecin afin de permettre à Cléante et à Angélique de s'aimer librement. De surcroît, Molière respecte la règle des trois unités qui constitue un principe essentiel dans l'art classique. Tout se passe en une seule journée, en un seul lieu, la maison d'Argan, et autour d'un personnage, Argan, et d'une intrigue centrale, Argan qui oblige sa fille Angélique à épouser un médecin pédant. Cette règle des trois unités permet de créer de la cohérence et de renforcer la tension sur scène et l'attention du spectateur. Enfin, comme dans toute œuvre classique, Molière transmet une morale philosophique dans Le malade imaginaire. Il ne s'agit pas tant, certes, de faire la morale que de faire réfléchir. Comme il l'avait écrit dans sa préface au Tartuffe en 1669, Molière veut corriger les mœurs par le rire. Ce projet,
est typiquement classique. Molière ridiculise les vices des hommes, leur duplicité et leur hypocrisie. Il tourne en ridicule les pédants et se moque des naïfs qui se laissent manipuler par des imposteurs dangereux et malfaisants. Par ailleurs, la comédie ballet de Molière est une comédie d'intrigue qui montre les limites du mariage de raison au profit du mariage d'amour. La comédie de Molière est une célébration du rire, de la vie, de la nature et de l'amour. Au terme de ce parcours, nous pouvons voir que Le Malade imaginaire est une œuvre qui se situe au carrefour du baroque et du classicisme. La comédie-ballet de Molière est baroque parce qu'elle joue sur les contrastes, les effets de rupture, le dynamisme, le mouvement, l'angoisse de la mort, le goût pour le déguisement et le spectaculaire, et enfin la mise en abîme. Mais Le Malade imaginaire est aussi une œuvre classique, car elle a pour modèle la comédie antique. Elle se caractérise par son unité de ton et sa cohérence, elle respecte la règle des trois unités, et elle délivre une morale grâce au rire doux et à l'ironie de Molière. L'angoisse de la mort y est bien évidemment partout présente, mais aussi et surtout, cette comédie constitue une véritable somme de sa pensée et de son art, en quelque sorte son testament comique. Cette phrase de Gérard Defoe, l'un des plus grands spécialistes de Molière, rappelle que Le Malade imaginaire condense tout le génie du dramaturge. Il se présente comme la pièce de toutes ses pièces. Achevée quelques jours avant de mourir, cette comédie met en scène l'angoisse baroque de la mort. Mais cette angoisse baroque est sans cesse conjurée, exorcisée par le rire. Le vertige baroque de la mise en abîme ne provoque pas ici l'angoisse, mais le redoublement du rire. Ce rire est doux, ironique, constitue une invitation à l'équilibre, à l'amour de la vie et de l'honnêteté. L'esthétique baroque est mise au service d'un rire classique qui est une éducation à la joie et à la liberté. Cette vidéo consacrée au baroque et au classicisme dans Le Malade imaginaire de Molière est à présent terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, c'est à vous de jouer en testant vos connaissances grâce au quiz dont le code s'affiche sur votre écran. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao !